Cette année encore, le Festival Interceltique de Lorient met en place un badge de soutien qui permettra d'accéder à plusieurs lieux incontournables de l'événement, et ce, pendant les 10 jours du festival. Cette action, présentée lors d'une conférence de presse organisée à l'intention des médias locaux, permettra ainsi aux festivaliers d'apporter leur soutien et de manifester publiquement leur adhésion à l'événement. Marie Le Guader, en charge du projet, nous présente ce petit objet qui vous sera bien utile. Le badge du Festival 2015, le principe est simple, c'est un petit badge qui a deux visages, un petit badge de soutien. L'idée, c'est que les festivaliers puissent marquer leur attachement en fait, à ce festival. Et puis d'un autre côté, c'est un badge d'accès, un badge qui permet en fait, d'accéder à différents lieux et différentes animations pendant les 10 jours du festival. Donc cette année, en nouveauté, vous avez le Quai des Pays Celtes. Le Quai des Pays Celtes, où on retrouve le pavillon de l'Acadie, le pavillon de l'Irlande, le pavillon des Asturies. En fait, tout ce quai sera à partir de 22h tous les soirs en accès badge. On a également en nouveauté le Braistad. Le Braistad, c'est un petit espace qu'il y a derrière le stade du Moustoir, où cette année, on aura des animations cercles et bagadous. Il y aura également un rassemblement de motos. On a également les jeux et les sports bretons qui seront là-bas et qui seront en accès badge. Et puis après, traditionnellement, on a le Quai de la Bretagne. Tous les soirs à partir de 22h, on retrouve également sur le Quai de la Bretagne la Kitchen Music, le Fest Days du dernier jour. Et puis traditionnellement encore, le Fest Noz à la Salle Carnot, les Masterclass au Palais des Congrès et les projections cinéma à l'Auditorium Saint-Louis, avec cette année des conférences sur le costume breton en matinée. Voilà, pour les accès. Le principe est simple, vous l'achetez une fois 5 euros et il est valable pendant les 10 jours du festival. Vous pouvez vous le procurer actuellement à la boutique de l'Espace Nayel, sur la boutique en ligne du festival et également auprès des offices du tourisme du Pays de Lorient. Et pendant les 10 jours, vous retrouverez le badge aux entrées de chaque site avec accès badge et également auprès des vendeurs ambulants qui seront facilement reconnaissables avec leurs t-shirts et leurs chapeaux.